L'idée de ces tables rondes, vous le comprenez bien, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de personnes à la tribune. C'est bien de donner à voir qu'une cité éducative se fait à plusieurs métiers, à plusieurs institutions, à plusieurs niveaux d'intervention. Et c'était un point important qu'on souhaitait mettre en œuvre dans l'organisation de ces tables rondes. Je vous laisse la parole. Avez-vous un micro ? Il est là. Alors, nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Estelle Simon, je suis conseillère pédagogique à Grigny. Karine Pucelle-Gastal, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Grigny dans l'Essonne. Nathalie Martin, directrice de la maternelle Georges Charpak à Grigny. Bonjour, je suis Maïté Barès et je travaille pour la ville de Grigny dans la direction de l'action éducative. Bonjour, Clotilde Granado, je suis responsable du département école à TD Garmonde. Alors nous allons commencer par vous présenter ce projet par un constat. On va vous ramener quelques années en arrière, en 2015, avec un territoire qui a déjà engagé plusieurs actions en destination des parents, avec des équipes très engagées sur cette question, avec beaucoup de projets qui émanent souvent de l'éducation nationale et qui proposent notamment des petits déjeuners, des soirées comptes, des choses assez classiques, mais qui ont la volonté d'inclure systématiquement les familles et de faire venir les familles à l'école. Ce constat, cependant, s'émaille d'une certaine frustration de ne pas voir les familles attendues et au rendez-vous, parfois une certaine lassitude des équipes. En même temps, une conviction très forte, à la fois des équipes enseignantes, à la fois du côté des parents, à la fois au côté de la municipalité, de faire différemment et de faire avec les parents. Trois éléments vont venir déclencher cette action que nous allons nous présenter. Alors, à la fois la déclencher et en même temps la faciliter. Le premier déclencheur pour l'éducation nationale, le rapport de Monsieur l'inspecteur général de la Haye sur la réussite, la réussite scolaire, puis de manière concomitante la mise en œuvre et la mise en place des REP+, notamment les REP+ préfigurateurs, et enfin un facilitateur là aussi, l'action de la municipalité, l'engagement de la municipalité. Je tiens à saluer notamment Madame Lebriand qui est venue nous voir dans le même temps, tout de suite, pour nous proposer un projet en lien avec une association qui était et qui est ATD Carmonde. Dès le départ du projet, comme le disait Karine Pucelle-Gastal, l'idée c'était le multipartenariat. Donc on a regardé en effet dans le cadre des groupes du projet éducatif local, quand on le constituait, qui intervenait déjà avec les parents. Et on a essayé de réunir ces partenaires qui intervenaient. Il y avait des associations, l'Université populaire des parents aussi à Grigny, une association à phase qui travaille avec les mamans. Et puis il y avait les parents eux-mêmes qui étaient dans notre groupe de préparation du projet éducatif local. Et puis bien sûr au niveau des services de la ville, il y avait plusieurs services qui travaillaient déjà avec les parents. Donc c'est un peu tous ces gens-là qu'on a réunis dès le début pour travailler le croisement comme une démarche en fait. Alors là aussi, de manière variée, parce qu'il faut absolument, et pour moi c'est une condition sine qua non à la réussite, proposer des actions qui sont en lien direct avec le terrain et avec le contexte de chaque micro-territoire que sont les établissements. Différentes actions se sont mises en place. Alors on peut parler du mur des diplômés pour développer l'ambition scolaire via les parents et l'intervention des parents dans les écoles. Et puis des cafés des parents ont émergé et s'émet un petit peu partout sur la circonscription. Les cafés des parents, pour en refaire la genèse, au départ, l'idée, c'était comment faire venir les parents à l'école, comment leur faire passer des messages, comment les entendre. Et donc, on a lancé les cafés des parents, au début avec un petit succès, tout petit succès. Et comme le disait la collègue de Dulala tout à l'heure, c'est un travail qui se mène sur le long terme, c'est un travail de longue haleine.
Le café des parents, l'idée, c'est de se retrouver autour d'un café parce que la convivialité, elle est très importante pour tisser des liens, pour que la confiance s'installe. Donc autour d'un café et puis proposer des thèmes aux parents, des thèmes sur l'alimentation, le sommeil. Donc au début, tout petit succès. Et puis le café des parents, il a vraiment pris son envol quand on s'est dit, mais en fait, si on n'a pas beaucoup de monde, peut-être qu'on ne propose pas les bons thèmes aux parents. Et l'idée, ça a été de voir avec eux, mais de quoi vous avez envie qu'on vous parle. Et puis aussi de se rendre compte que les parents, ils étaient parents de la maternelle, mais aussi de l'élémentaire. Et on a proposé un café des parents qui s'adressait à tout le groupe scolaire, puisque ça concernait beaucoup de parents. Et puis, il y a des thèmes qui ont émergé, qui concernaient aussi les enfants du collège, notamment avec le harcèlement. C'est un thème qui a été demandé par les parents, parce qu'ils avaient envie qu'on l'aborde sur l'élémentaire, mais en nous disant, mais on a aussi des enfants au collège. Donc, le café des parents, c'est déjà l'esprit de la cité éducative qui était là, dans la mesure où il a pris son envol aussi grâce à la réussite éducative, au programme de réussite éducative, qui, à la mairie de Grigny, on a la chance de pouvoir bénéficier de traducteurs dans plusieurs langues. Et la présence de ces traducteurs nous a garanti la présence de parents qu'on ne voyait pas auparavant. Et puis aussi l'intervention de partenaires, en fait. L'idée, ça a été au fur et à mesure de se dire, les gens ont envie qu'on les informe, ont envie de vraies informations. La directrice, elle parle, c'est l'école, ça va, mais et aussi faire intervenir la psychologue scolaire, les maîtresses UPE2A, mais aussi des gens d'associations sur les addictions, enfin voilà, des vrais spécialistes qui pouvaient donner des vraies informations. Voilà, donc juste pour finir, l'évaluation de ce café des parents, elle se fait au fil du temps. On le voit avec l'augmentation de la fréquentation des parents qui se développe, voilà. Donc nous avons développé également dans cet esprit-là le partenariat avec ATD Carmonde. Cette démarche a été mise en place par ATD Carmonde. Le nom exact est Croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de précarité. Donc à partir de maintenant, je dirais Croisement des savoirs. Le principe est de dire qu'il existe trois savoirs, le savoir universitaire, le savoir professionnel, qui est le savoir qu'on développe au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière. On ne va pas avoir les mêmes réactions en début de carrière, en fin de carrière. Et enfin, le savoir de vie. Le savoir de vie des personnes en situation de précarité, les seules à le posséder, ce sont les personnes qui ont vécu ou qui vivent la précarité. Et c'est les seules qui sont en capacité de la porter. La deuxième observation, c'est que si on construit un projet de société, quelle que soit la taille de ce projet, sans la connaissance de ce savoir, on va nécessairement reproduire l'exclusion. Donc il était important, pour chaque construction de projet, de pouvoir avoir le savoir des personnes en situation de précarité. Donc c'est pour ça qu'on a mis au point cette démarche. Le principe de la démarche, c'est d'abord de travailler en groupe de pairs, c'est-à-dire d'un côté les parents, en l'occurrence ici à la mairie de Grigny, et de l'autre côté les enseignants. Le choix qu'on a fait sur la mairie, c'est de travailler toute une année avec une équipe d'une école. Donc, les enseignants se réunissent plusieurs fois dans l'année pour réfléchir au lien école-famille et comment ils envisagent le lien école-famille. Un groupe de parents qui n'est pas de l'école se réunit et travaille aussi sur ce qu'il a envie de faire dans l'école et comment ils envisagent le lien école-famille. Et en fin d'année, on fait un temps de croisement, c'est-à-dire que chacun apporte son croisement à l'autre, le but n'étant pas de juste confronter les savoirs, mais vraiment de construire ensemble un savoir commun. Donc en l'occurrence là, le choix qui a été fait, c'est de construire des projets. Les enseignants dans l'année ont émis des souhaits de projets qu'ils voulaient mettre en place, et la construction se fait avec les parents. Au lieu de travailler en groupe de pairs toute l'année, on a travaillé dès le début avec les enseignants sur le montage d'un projet. C'est-à-dire que avec l'équipe, on a travaillé, l'équipe enseignante se posait la question, comment les parents peuvent-ils stimuler leur enfant ? Avec, dans l'esprit, finalement, on ne sait pas si les parents stimulent vraiment leur enfant pour ce qu'on veut. Et en fait, en faisant ce travail, on s'est rendu compte que les parents, non seulement, avaient beaucoup d'idées pour stimuler leur enfant, et donc ça fait tomber un certain nombre aussi d'a priori ou de représentations qu'on a les uns sur les autres. En fait, c'est quand même ça le cœur. Et au fil du travail commun, les choses, les a priori qu'on a tombent.
et on découvre l'autre différemment. Oui, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est co-éducateur et sur un pied d'égalité, en fait. Ce que disait Clotilde Granado tout à l'heure, c'est qu'il y a différents savoirs, mais ils sont tous à égalité. Et à travers le projet du croisement, on se rend compte qu'on a tous la même ambition, c'est la réussite des enfants à l'école. Et c'est ensemble qu'on y arrivera le mieux, les parents, les équipes enseignantes, les partenaires. Alors, on va juste peut-être dire justement les choses qui ont peut-être bougé. Dans une autre école, sur un croisement, on a travaillé sur l'entretien parents-enseignants, hein, qui était vécu de façon difficile par les parents qui venaient un peu la boule au ventre. Et du coup, en parlant ensemble, en disant un peu ce que chacun vivait, ils ont construit ensemble, pas l'entretien idéal, mais quand même les conditions qui peuvent permettre un entretien dans de bonnes conditions. Oui. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait demandé aux parents et aux enseignants de dire ce que l'enseignant devait faire et ne pas faire pendant un entretien, et ce que le parent devait faire et ne pas faire pendant un entretien. Et les enseignants avaient donné un entretien type qui, selon eux, donnait la parole aux parents. Et les parents avaient fait le même travail de leur côté. Et dans la liste de ce que ne devait pas faire le parent, et l'enseignant aussi, c'était ne pas couper la parole. Et là, les parents ont dit, ça on comprend bien d'un point de vue politesse, qu'il ne faut pas couper la parole, mais le problème c'est que vous parlez pendant 10 minutes, et que nous, quand on arrive à la fin des 10 minutes, on a oublié ce qu'on voulait vous dire sur ce que vous avez dit au tout début. Donc pour nous, ce n'est pas par impolitesse qu'on vous coupe la parole, c'est juste que sinon, au bout des 10 minutes, on ne saura plus quoi vous dire, parce qu'on a... oublier ce que vous avez dit au début. Et du coup, on est parti d'un temps de parole à l'enseignant qui était très long, et après, il donnait la parole à l'enseignant, à vraiment un ping-pong entre le parent et l'enseignant dans l'entretien idéal qu'ils ont créé. Bon, il y a eu aussi concrètement des évolutions sur la réunion de rentrée qui ne se passe plus dans pas mal d'écoles de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réunion globale, mais il y a soit des réunions en petits groupes ou alors carrément des entretiens individualisés en début d'année pour mieux se connaître parents et enseignants. Donc ça, c'est aussi une autre transformation. Mais petit à petit, avant de faire le croisement, il y a tout un travail. On a parlé des cafés des parents, mais avant aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le bord de l'école. C'est-à-dire qu'il faut aller au bord de l'école. Alors évidemment, les directrices le font. Parfois, il y a une ATSEM au portail. Mais quand des animateurs de notre groupe vont au bord de l'école pour se connaître, aller vers les parents qui sont un peu plus loin de la grille, discuter, recueillir les thèmes que les gens veulent aborder dans les groupes de parents, dans les cafés des parents. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le bord de l'école. Et c'est une première accroche. Et petit à petit, il y a des gens qui, le jour où il y a le café, on dit « mais si, venez », etc. Vous voyez, c'est quelque chose de très longue durée. Et il faut y aller petit à petit, et chacun de son angle de vue. Et les parents aussi, quoi, parce que les parents doivent aussi contacter d'autres parents, les faire venir, etc. Pour rajouter, parce que des cafés des parents étaient existants, animés par des directeurs d'école, et la mairie a développé aussi des cafés des parents animés par les responsables de site des animateurs du périscolaire, qui ont été formés à l'animation de groupes de parents, pour pouvoir, dans chacune des écoles, proposer éventuellement un café des parents quand il n'était pas existant. Donc, fort de cette démarche engagée en partenariat et dans le cadre de la mise en œuvre de la cité éducative de Grigny, nous avons souhaité transposer cette démarche de croisement sur un autre chantier. Madame Simon. Donc effectivement, mon propos va s'inscrire dans un contexte un peu plus large au niveau des acteurs, donc dans l'axe de l'accompagnement et de la formation des acteurs de la cité éducative. Nous avons réfléchi ensemble à la question du travail collaboratif, intermétier, intercatégoriel. Quand je dis nous, donc je parle évidemment au nom de l'éducation nationale, mais je parle également au nom de la municipalité via Maïté Barès et de l'association ATD Carmonde via Clotilde Granado.
Donc c'est une réflexion collective. Donc la cité éducative nous réunit autour d'objectifs communs pour lesquels nous devons coopérer ensemble. Et on sait tous ici que cette coopération ne va pas de soi. Donc il nous a paru intéressant, enfin important en tout cas, de limite en qualité de prérequis, hein, de clarifier auprès des acteurs, des différents acteurs, des différents métiers et catégories, ce qu'on mettait justement derrière ces objectifs communs, quel est le rôle de chacun dans ce travail coopératif et quelles sont nos responsabilités respectives. Pour pouvoir en fait faire en sorte que chacun trouve sa place et que chacun puisse mesurer l'interdépendance que nous avons les uns les autres pour pouvoir réussir. Donc effectivement, nous avons transposé la démarche du croisement des savoirs à un public plus élargi. Nous avons travaillé dans un premier temps, enfin nous sommes en train de le faire actuellement, en groupe de pairs, un groupe de pairs directeurs, groupe de pairs enseignants, groupe de pairs parents, groupe de pairs ATSEM, groupe de pairs responsable de site, et j'espère ne pas en oublier, pour réfléchir dans un premier temps entre pairs aux représentations que nous avons déjà de notre propre rôle quant à un objectif et également du rôle des autres. Dans un deuxième temps, en prenant la démarche du croisement des savoirs, nous allons opérer un temps de croisement, de regroupement, où chaque groupe va pouvoir présenter ses représentations. Et chaque groupe, enfin, on va discuter ensemble, on va se concerter, se mettre d'accord, débattre, pour définir un cadre commun de travail qui sera donc défini ensemble. Voilà. Merci. En conclusion, les conditions de la réussite, elles sont de plusieurs ordres. De toute façon, inscrire ces actions de partenariat sur le long terme, ne pas penser one shot, mais penser vraiment sur plusieurs années, inscrire les choses dans la durée et toujours dans l'écoute bienveillante, mobiliser les acteurs sur le terrain, donc être dans les écoles, mais aux abords de l'école. Travailler aussi avec les équipes enseignantes sur du volontariat et sur des formations et des objectifs de formation vraiment négociés. Ça, c'est extrêmement important. Et pour cela, libérer du temps de formation pour les enseignants. Donc, nous avons la chance de bénéficier d'une formation REP+. Donc, les formations des enseignants et le croisement des savoirs a lieu sur ces temps de formation REP+. Ils sont financés notamment par ces formations. Maïté, un dernier mot ? C'est peut-être insister sur le temps qu'il faut tranquillement pour entrer dans la démarche, mais aussi pour se transformer personnellement, parce que, en effet, il faut bouger les uns vers les autres, mais finalement, c'est un changement profond des pratiques et du rapport qu'on a à l'autre, de la perception du rôle de l'autre. Et ça, en fait, on voit bien dans le projet que c'est sur plusieurs années, parce que pendant le croisement, il y a des déclics qui se font, mais si c'est pas suivi un accompagnement, etc., avec le temps et la façon dont on doit travailler chacun dans notre truc, on n'arrive pas à toujours associer les autres. Hein, donc, en fait, il faut toujours ralentir, se redire « Ah tiens, mais ça, on pourrait le faire en croisement ensemble au lieu de le faire tout seul dans notre coin. » Mais c'est un réflexe qu'on n'a pas d'emblée. Donc, c'est quelque chose qui... C'est vraiment changer ses pratiques personnelles, se changer intérieurement et puis regarder l'autre autrement aussi.